qu'on trouve dans le film. Voilà. Autoproduit. C'est un des seuls morceaux de rap qui est dans le film. C'est-à-dire autoproduit. Non, on a tout cassé. C'est pas autoproduit. Jamais. Good Lion. Good Lion, le frangin, quoi. T'as vu. Même si Expression Directe c'était hardcore, la différence qu'ils avaient avec un groupe comme NTM ou avec d'autres groupes, quoi, qui étaient sur la scène à l'heure actuelle, c'est le bounce. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de le dire, parce qu'à l'époque, même comme le truc qui venait de naître, on s'en foutait un peu, tu pouvais faire un peu tout et n'importe quoi, ça allait passer parce que c'est, on est dans le truc, quoi, tu vois. Mais eux, ils avaient le band. Et ça, le band, ce frangin, il l'avait aussi, tu vois. Et je pense que la rencontre, elle était... c'était calculé qu'ils se rencontrent. C'était inévitable et qu'ils fassent du lourd, et qu'ils fassent du lourd. Ce personnage a une vie qui mérite une série ou un film. Pas de doute là-dessus. Dans cet endroit pour qui bouge, peux-tu me dire ce qu'il se passe, qu'il représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume plus gai, tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Thank you.